Bonjour mes chers élèves, alors encore une fois, la suite de l'histoire de Lila. Cette fois, je vais vous raconter un nouvel épisode drôle d'histoire. Avant de lire le texte drôle d'histoire, parmi les histoires de Lila, je vous laisse un moment d'observer bien cette image. Alors, qui est-ce? C'est Lila. Mais Lila est avec qui? Avec son meilleur ami, Ilio. Où sont-ils? Oui, ils sont dans la classe. Mais pourquoi Lila hurle-t-elle? S'écrie-t-elle si fort? Pourquoi? Alors, elle n'a pas trouvé sa trousse dans son cartable. Quelqu'un a volé sa trousse. Mais, d'après vous, qui a pu voler la trousse de Lila? Est-ce que c'est vrai que Monsieur Laura qui a volé cette trousse? Ce qu'on va voir d'après cette histoire. Alors maintenant, écoutez bien et essayez de suivre. Drôle d'histoire. Sortez votre trousse, dit le maître. Lila, on n'attend plus que toi. Lila feuille dans son cartable. Sa trousse n'y est pas. Elle réfléchit, puis elle dit très vite. C'est Laura, maître. Elle a volé ma trousse. C'est Laura, maître. Elle a volé ma trousse. Toute la classe éclate de rire. Le maître demande. Quel rat, Lila? Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil, hein? Ce matin, elle a pris ma trousse. Lila est une menteuse, s'écrie Omar. Oh non, sourit le maître. Oh non, Lila est juste une raconteuse d'histoires. Une raconteuse d'histoires. Je répète encore fois la lecture de ce texte, drôle d'histoire. Sortez votre trousse, dit le maître. Lila, on n'attend plus que toi. Lila feuille dans son cartable, sa trousse n'y est pas. Elle réfléchit, puis elle dit très vite. C'est Laura, maître. Elle a volé ma trousse. Toute la classe éclate de rire. Le maître demande. Quel rat, Lila? Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil. Ce matin, il a pris ma trousse. Omar s'écrie. Lila est une menteuse. Oh non, saurait le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoire. Alors, vous avez bien lu l'histoire et vous avez bien compris. On passe maintenant à l'oral. L'imagination. Lila est une vraiment drôle de fille. Une inventeuse d'histoire, elle a plein d'imagination. Alors, que cherche Lila dans son cartable vraiment? Que cherche Lila dans son cartable? Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire? Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire? Lila est-elle une menteuse? Lila est-elle une menteuse? Pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat? Pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat? Je laisse bien sûr réfléchir. Dans les prochaines vidéos, on va voir la correction. À très bientôt.